Imagine for a minute a city created by and for the people who live, work, and play there. That is the goal of the Montreal Urban Ecology Center with its participatory urban planning approach. Urban planning that puts people at the heart of neighborhood development, both in process and end results. Ma fille s'est fait frapper sur Monklin au coin d'Oxford. Et puis de cette expérience-là, je me dis, il faut vraiment que les citoyens puis que les professionnels travaillent ensemble. Notre milieu de vie est en grande transformation, puis moi, j'avais le goût qu'on avance dans ces transformations-là en ayant en tête les meilleures pratiques, puis de pas penser juste aux autos, mais de penser aux personnes qui marchent, qui prennent le vélo dans l'espace. Là. What makes participatory urban planning projects successful is the combination of the knowledge of professionals who are experts in design and technical solutions and that of citizens who are experts about their living environment. Des exemples pour faire participer les gens, premièrement, il y a la marche exploratoire. C'est vraiment d'aller sur le terrain avec des citoyens pour constater des problèmes dans l'espace urbain. Deuxièmement, on peut aussi utiliser les ateliers de travail citoyens qui sont en fait une rencontre où on discute des problèmes et des solutions dans un quartier. On a travaillé ensemble, comité de citoyens, pour vraiment identifier les zones problématiques, les zones où on sentait que la sécurité avait besoin d'être améliorée. Puis on a travaillé avec les services techniques de l'arrondissement, avec les politiciens, pour amorcer les améliorations. La vraie participation citoyenne, ça se fait de la conception jusqu'à la réalisation puis du coupage de ruban. Si on prend le parc ici dans lequel on est, Saint-Pierre-Claver, la première proposition sur la table mettait le parc d'enfants sur le bord de la rue. Alors, évidemment que les citoyens ont trouvé que c'était un non-sens et ils ont d'emblée proposé aussi qu'on rajoute des jeux d'eau parce que quand on le fait, ça coûte moins cher que de le faire par après. Donc, vraiment, de les impliquer à la base, là, ça permet un meilleur projet à la fin, même s'il prend un petit peu plus de temps à faire. Et les citoyens sont à la base du projet, mais les élus ont une grande responsabilité parce qu'il faut travailler ensemble pour amener le projet avec les professionnels de l'arrondissement, les fonctionnaires, les ingénieurs, les urbanistes. Ça fait des années que les citoyens viennent au conseil d'arrondissement pour nous dire « faites quelque chose ». Donc, cette année, on va mettre un panneau d'arrêt à l'intersection Masson-Chabot, mais au moins, ça va diminuer le débit, ralentir la circulation. Pour s'engager dans une démarche d'urbanisme participatif, oui, ça prend de l'audace, ça prend du courage, mais ça prend surtout une bonne dose d'humilité, en fait. Parce que, comme élu, je suis une ancienne élue, comme élu, il faut accepter de partager le pouvoir qu'on a, le pouvoir d'information, le pouvoir de décision. Il faut le partager avec l'ensemble des acteurs qui sont sur un territoire donné, là, entre autres pour faire un quartier vert. Donc, il faut vraiment être humble. Plusieurs résultats qui sont intéressants à regarder. On voit fleurir les bouts de trottoir là, au printemps. C'est vraiment très, très stimulant. On a réussi à mettre en place des dodanes, des avancées de trottoirs, des pistes cyclables, des zones de 30 km/h. On a mis en place la zone de 5 mètres où il est interdit de stationner au coin des rues, là, à proximité de l'école. Alors, on est très contents. Il y a des défis sur lesquels les villes doivent agir, des défis mondiaux d'environnement, de changement climatique, de rétention des familles, de comment finalement la ville répond aux besoins de la société civile, des êtres humains. Alors, de participer avec toutes les parties prenantes à définir ce milieu de vie-là, bien, c'est ça l'idée du Centre d'écologie urbaine, c'est ça qu'on travaille avec nos communautés. Autour des jeux pour enfants, qu'est-ce que vous voyez autour des jeux pour enfants? Des arbres pour de l'ombre. Je veux voir que les activités qu'on a réalisées dans les quartiers amène autre chose que simplement la discussion sur un projet d'aménagement urbain. Ça permet de rencontrer son voisin, on écoute ses préoccupations. En fait, on sort de notre bulle. Vous avez vu? Hey, t'es bon, bravo! Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec le Centre d'écologie urbaine parce qu'il nous amène à rêver, à concevoir notre espace autrement. Alors ça, c'est très riche d'avoir cet apport-là. Ensuite, évidemment, d'avoir un organisme local qui se soucie de la qualité de vie, de la sécurité, de la santé aussi. Ça peut aider, disons, à faire collaborer harmonieusement tous ces acteurs-là. The Montreal Urban Ecology Center approach has successfully created several green neighborhoods across Quebec. This success has led to its spread across Canada, a network of communities using participatory urban planning to transform their city has been born.
What about you? Do you have the courage to transform your city, your neighborhood, with and for its citizens?